Donc là, on va prendre un troisième exercice. C'est de l'improvisation un petit peu guidée. Donc on fait une première partie très aérienne, très lyrique, avec des bras. On peut imaginer tout un univers animal. Donc on peut se dire que la première partie, on est très aérien, ce sont des oiseaux. La deuxième partie, on va au sol, c'est beaucoup plus lourd, ça peut être... si on part dans les animaux, ça peut être quelque chose de félin, quelque chose de très félin ou quelque chose de très lourd, de très sauvage. Et la dernière partie, c'est debout. Vous allez voir sur la musique, on entend, on a des repères qui font qu'on voit trois vraiment ambiances différentes. Et là, donc la dernière partie, c'est très saccadé, très break, très coupé. Et donc pour les enfants, on pense au statut. Donc on fait hop! Hop, hop, très figé. Donc trois parties, trois ensembles, on va dire d'animaux. Donc très aérien, les oiseaux, très sauvage, très félin au sol. Et la dernière partie, quel animal s'arrête comme ça? Et ben l'humain. Allez, la musique c'est Georgia Smith. By any means. Faites avec moi, les parents vous pouvez suivre aussi. Allez, on pense animal, léger, lyrique, classique. Faites comme vous, les sur place. En tournant, en pliant ou tendu. La musique change. Félin. On marche avec les mains, avec les pieds. On chasse et on marche. On appuie les mains, on appuie les pieds, on a quatre appuis. Side by side in the revolution. Les statues. Cause we know them not care about us. Why men can't jump, but at least they can't run. Broke these chains, to put hands up. They can never see the kingdom coming. You wanna see us all the mess and nothing. On revient dans l'aérien. L'oiseau qui s'envole. C'est pas obligé de faire la même chose que moi. Dernière fois. Allez, on va s'envoler. On voit des plumes qui s'envolent. Des bulles. Pensez à des bulles. Vous jonglez avec des petites bulles. On va gratter par terre. Allez, comme si. Enlevez la poussière.
là. Anima. Avec les statues. Voilà pour le troisième exercice.